Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Allô, 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 allô.
Le livre de condoléances. Et maintenant, nous allons devoir ensemble adresser Marie Mbalaka, qui n'est plus de nôtre. Pour les hommages de ce jour, les interventions vont se succéder de la manière d'une série d'éloges funèbres. Les mots qui viendront tour à tour de sa famille professionnelle, le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais. Après le mot de représentant du BCPC, nous aurons le mot de membre du cabinet, Maître Mbalaka, suivi du mot des enfants et de la famille du défunt. Après quoi, nous allons passer sûrement au dépôt de gerbes de fleurs. Et pour cela, nous allons demander à tous ceux qui veulent bien déposer leurs gerbes de fleurs de se faire répertorier. Vous informer que le registre de condoléances reste ouvert
et les personnes intéressées peuvent passer pour y coucher quelques phrases. Et la famille Malaka. Voici comment se présente rapidement le programme. Du représentant du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, suivi du mot du cabinet Maître Malaka, celui des enfants et enfin le mot de la famille du défunt. Il y aura dépôt de gerbes de fleurs, suivi des absoutes, avant de prendre la direction de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, où se tiendra l'audience solennelle telle qu'est prévue dans le programme. Nous voulons attirer votre... C'est avec une grande émotion et beaucoup de peine que nous prenons la parole en cette circonstance douloureuse où nous venons de perdre un être très cher. Maître Justin Marie Mbalaka, nous, vos collaborateurs du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, oui, nous sommes là, envahis par la douleur, pour vous dire adieu
et vous rendre un dernier hommage, un hommage mérité. Maître Justin Marie Mbalaka, vous êtes parti avant nous, bien trop tôt, bien trop vite, laissant un vide immense, difficile à combler derrière vous. Nous vous disons merci d'avoir été pour nous à la fois un chef, un grand frère et un père. Vous y étiez toujours optimiste, à l'écoute, prompt à nous aider à résoudre certains de nos problèmes, des problèmes d'ordre professionnel bien sûr, mais parfois aussi des problèmes d'ordre privé. Comment oublier les instants précieux que vous consacrez à nous partager les rudiments de votre riche expérience au service de l'État et à nous transmettre les meilleures pratiques de notre métier en tant qu'expert, assistant, chargé des missions, secrétaire et autres. Comment ne pas nous souvenir des moments enrichissants où nous osions vous arracher de vos multiples occupations afin d'obtenir vos conseils et orientations pour la bonne marche de notre bureau. Maître Justin Marie Mbalaka, jusqu'à votre disparition, vous avez toujours été là. Tant à l'inauguration de ces services de l'État en novembre 2008, au démarrage de l'exécution du projet de coopération que notre pays a signé. Oui, cela fait 12 ans. Les responsabilités et votre talent dans la résolution de certains problèmes juridiques et administratifs qui ont été utiles pour la réalisation des travaux d'infrastructures, des bases dont le pays avait besoin pour son émergence économique. C'est vrai, j'ai donné quelques signes d'inquiétude, mais nous ne pouvions nous imaginer qu'en fait, vous étiez en train de nous préparer à votre départ. Votre soudaine et brutale disparition nous rappelle, comme une évidence, que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, chaque minute que nous offre la vie. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est donc avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à votre épouse, à vos enfants et à tous les membres de votre famille, à qui nous rassurons notre soutien permanent. Adieu, maître. Adieu, chef. Adieu, numéro 2. Adieu, papa. Que la terre de nos enceintes vous soit douce et légère. Que Dieu, notre Père, qui vous servit avec faveur et amour, vous réserve une place de choix en son royaume éternel. Reposez en paix, chef. Nous avions un confrère, et bien plus, un précieux formateur. Justin Marie Mbalaka Boliomi Bodé était un avocat d'exception, un éminent juriste. Le trou béant qu'il laisse dans le cœur de ceux qui l'ont aimé est sans mesure. Maître Justin Marie Mbalaka Boliomi Bodé, inscrit au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe et au barreau pénal international près la CPI, avait la défense dans le sang, dans le trip et dans chaque fibre de son être. Vivace, bien distingué,
son grand oral était une de ses qualités particulières. Il était un homme d'exception qui s'exprimait bien et un véritable dicendi pertitus, il savait convaincre. Faisant partie de ses confrères qui ont su exactement ce qu'ils veulent, Justin Marimbalaka ne s'est pas trompé, sinon rarement. Possédant une culture juridique approfondie, une intelligence trop vive, souple, rapide et habile à saisir la portée d'un argument ou d'une situation. Il fut immunisé contre l'abattement, la résignation et le relâchement devant n'importe quel dossier, donnant de son tout jusqu'au bout. Omnipraticien, le distingué magister plaidait aussi bien en constitutionnel, en administratif qu'au judiciaire et a défendu toutes les classes sociales et variétés individuelles sans tenir compte d'une quelconque catégorie. Attaché à un cercle d'avocats qu'il aimait et dont il aimait en retour, il nous a diffusé son savoir et les tacts de maestria pour en faire usage dans cette profession de la toge. Avocat et politique, il sut faire le distinguo d'entre ces arts qu'il maniait l'un et l'autre avec brio. La confraternité n'était pas un vain mot chez lui. Justin Marimbalaka Boliomi Bodé était de ses confrères qui nous diffusent chaque jour, par leur exemple, l'envie de donner le meilleur de nous-mêmes. De ces humains qui ont compris que la seule chose qui vaille dans cette vallée de larmes, c'est de s'embrasser et de se dire qu'on s'aime autant qu'on peut, et de se retrouver souvent pour rire de tout, à commencer par soi-même. Il nous a tout donné pour qu'être brutalement privé de lui à jamais nous brise sans nous abattre. Car, disait-il souvent de fois, soyez mon prototype. Oui, maître, à jamais, nous garderons précieux ce sceptre d'encadrement. Tes disciples en hommage à votre grandeur et par déférence cernent votre séjour sur terre en 10 ans. Allez-y en paix, patriarche, que de souvenirs durables. Tu n'es pas mort, tu as seulement oublié de te réveiller. Tu vis, tu vivras toujours dans notre souvenir et dans notre affection. Car dit-on, les morts ne sont jamais sous terre, ils sont dans le feu qui s'éteint, dans les herbes qui pleurent, dans la forêt, dans la demeure. Et caeter. Les morts ne sont pas morts. Les oiseaux ne laissent qu'un champ éphémère. L'homme passe, mais sa renommée survit. Si Tibetera Lewis, magister, tes disciples. Seul Dieu est bon. Aucun d'entre nous n'est compétent de dire de son prochain que c'est une personne bonne ou mauvaise.
c'est l'apanage seul des dieux. À nous, ses enfants, à nous, tes enfants, nous voulons que l'assistance retienne ce qui suit, ce que nous retenons de toi, que nous garderons toujours dans nos cœurs. Trois traits particuliers que nous, tes enfants, gardons de toi. Mbalaka Boliomi, Justin Marie, cher papa. Premièrement, son intelligence. En fait, sa tête. Une fois, un des confrères a dit, si seulement je pouvais hériter de la tête de ce monsieur. Et il a toujours eu l'habitude, avant de nous adresser ses propos, de débuter par « vous, mes enfants ». Et quant à son intelligence, il disait souvent « je n'ai pas pris ma condition physique pour excuse afin de solliciter le monde. Je n'ai pas regardé que j'étais infirme. J'ai étudié, j'ai travaillé dur pour amener la famille à ce niveau qu'elle a aujourd'hui. J'ai forgé mon intelligence, disait-il. Le deuxième trait, sa compassion, son cœur. La preuve en est que, n'eût été le geste barrière, cinquantenaire serait rempli du monde. Il avait un cœur compatissant, disposé à faire du bien à son prochain, souvent au détriment de nous, sa famille, que nous sommes. Aussi, même à ceux qui le faisaient du mal, il trouvait toujours la force de pardonner. À ses propos, il disait souvent, « Si je dois rendre le mal au mal, je risquerai de vivre seul. Je pardonne pour rendre mon milieu vivable, disait-il. » Le dernier trait, il y en a plusieurs, mais nous avons voulu prendre le 3. Sa générosité. Ses mains. Il ne sélectionnait pas ce qui devait bénéficier de son assistance. Il allait là où sa générosité le conduisait. Il donnait. Et il savait donner. Et au sujet de ce trait, et il me l'a dit une fois, et je crois qu'il l'a répété à tout le monde. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras plus l'argent ou les biens que tu as empêchera d'autres à entrer dans ton patrimoine. Parce que c'est bien là criera aux autres, ne venez pas ici. Ici, nous sommes emprisonnés. C'est de la prison ici. Alors, il faut donner pour laisser la place à d'autres biens d'entrer dans ton patrimoine. Il le disait souvent. Je n'ai pas eu le courage d'écrire ces mots avant aujourd'hui. Vous allez voir, même c'est en manuscrit. Parce que je me disais, au nom de mes frères et sœurs, je ne trouvais pas d'inspiration. Mais ce matin, en quittant le chapiteau, je me suis laissé juste conduire par mon stylo, le papier et l'expression du cœur. Avant que l'émotion m'emporte,
Je sais qu'il a eu le temps de prier son Dieu. Et c'est capital pour nous chrétiens. Quoi qu'on puisse dire sur sa vie, j'ai la ferme conviction que le dernier jour, il a prié son Dieu. La vie étant une pièce de théâtre, tu as joué ton tableau. Acta est fabula. Va en paix, papa. Nous, tes enfants, te disons, va en paix. Et toutes tes œuvres, nous les garderons précieusement dans le cœur. Tes filles absentes sur place m'ont demandé de dire, va en paix. Merci beaucoup, Laka Justin Marie Balaka. Nous allons suivre enfin le mot de la famille du défunt. Et nous voulons en même temps... Merci pour la parole. Le Sako, Excellence, Bokulaka, Maître Mbalaka, Boliomi, Justin Marie. Silence total. Papa, aujourd'hui, par la volonté de Dieu, je ne peux plus recevoir votre sagesse en réaction de la salutation coutumière réservée aux notables que vous étiez, qui s'est présenté souvent comme suit, Nyonso Malam. Je crois mon grand frère venait de l'épingler, Maître Ribin qui a pu parler avant moi ici d'une autre manière. Et à ceci, vous avez l'habitude d'ajouter, Yanga Mama Ebisanga na Mokili Nyonso Malam. Bofinga, Botonga, Bolinga, Boboya, Nyonso, Malamu. Justin Marimba la Kabolio Mibode. Par ces mots et au nom de toute ta famille, je me permets de vous dire un grand merci. Merci pour tout ce que vous avez été pour nous. Vous étiez un homme de cœur, un homme de grand cœur. Vous étiez un fils, un frère, un cousin, un neveu, un oncle, un grand-père, un père compatissant, amoureux, gentil, social, courtois, très attentif et rigoureux sur le plan éducationnel. Par vos efforts et sacrifices, vous avez soutenu et relevé notre famille. Nous, qui sommes tes neveux et nièces par la biologie, mais par ton amour incommensurable, vous nous avez transformés en fils et filles. Je crois donc que certains parmi nous aussi seront surpris d'apprendre aujourd'hui que je n'étais pas le fils de Maître Mbala quand j'étais son neveu. Partout j'allais, partout il m'envoyait, il me parlait toujours comme étant son fils biologique. Et ça, vous l'avez fait sans différence avec nos frères et sœurs qui sont vos fils et filles biologiques. Et nous vous avons surnommé dans la famille le père de la multitude. Ta disparition tragique a non seulement brisé nos cœurs, mais aussi nous a obligés de nous rendre compte, et c'est une évidence, que la parole divine ne ment pas. Et ça, c'est particulièrement sur ce qui est prévu, repris plutôt, dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5. Malakabolioumi Justin Marie, votre mort a tout bouleversé et nous a laissé perplexes. Car malgré votre rigueur qu'on qualifiait d'état gendarme, mais vous avez pris en charge toute la grande famille, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, et nous vous avons surnommé un état providence. C'est pourquoi chacun de nous, membres de la famille, de ta famille, face aux problèmes,
avions toujours cette réaction. Vieux Justé Azali. Ali. Et loco et kolekelanga ezate. Ceci me rappelle particulièrement notre conversation téléphonique du samedi 29 septembre 2021, à laquelle vous m'avez dit, vous avez conclu par me dire ceci. Amon, ne vous dérangez pas, je ne suis pas encore mort, je suis vivant. Je vais tout prendre en charge. C'était quand nous nous apprêtions à organiser les obsèques de notre cadet qui était décédé. Et malheureusement, vous ignorez que les jours suivants, le dimanche, vous allez faire une crise de tension, être hospitalisé jusqu'à votre mort. Papa, je ne pouvais jamais, je dis jamais, imaginer un jour vous voir allongé, sans moyen de défense ni réaction à nos cris de détresse, alors que vous avez été toujours cet homme fort, malgré les aléas de la vie. Malgré la maladie, et fort dans toutes les circonstances, en nous disant toujours, je suis le chef du village, je dois toujours avoir un mental fort et très fort, quels que soient les problèmes, car si moi je m'affaiblis, tout le village sera en péril. Et maintenant que vous avez décidé de partir sans dire mot, le grand Baoba, Osomi, Bomoué, Bokulaka, Apollo Tenkumu, Ngambi, Nkoy. Avez-vous pensé à votre famille que vous avez tant aimé et tout donné? Sommes-nous restés sans défense, papa? J'ai dit non. Non. Et non, pourquoi? Parce que vous nous avez toujours dit, même quand vous aurez l'impression que je ne suis plus avec vous, et que vous constaterez mon absence physique, dites-vous toujours qu'en esprit, je suis et je serai avec vous. Et je vous viendrai au secours comme je l'ai toujours fait, mais à la seule et une seule condition de maintenir l'unité familiale et de toujours veiller à cette famille que j'ai beaucoup aimée et tout donné. Papa, la religion catholique que tu nous avais apprise nous enseigne que les morts ne sont pas morts. Et je suis convaincu maintenant ici que vous n'avez juste traversé de l'autre côté pour vous reposer dans le lieu céleste. Car vous avez combattu un bon combat avec brio et distinction. Malgré que vous nous avez tout appris dans la vie. Vous nous avez scolarisés. Vous nous avez appris la profession. Et je crois que certains ont été recommandés qu'ils travaillent quelque part. Mais vous avez oublié de nous apprendre une seule chose, papa. Vous avez oublié de nous apprendre de vivre sans vous. Ça, papa, en tout cas, vous avez oublié de nous apprendre ça. Napoléon Bonaparte disait, la mort n'est rien. Mais vivre sans gloire, c'est mourir tous les jours. Et ici, je peux affirmer que Maître Mbala Kaboli Homi Bode a vécu sa vie avec gloire. Et je crois peut-être le seul jour où il n'avait plus de gloire, c'est le jour de sa mort. Car il avait perdu le contrôle du sens de sa vie. Et face à des situation irrécupérable. Vous avez toujours l'habitude de dire cet adage latin, Alea Iacta Est. L'aider et jeter. À jamais dans nos cœurs, papa. Adieu, Maître Mbala Kaboli Homi. Je rappelle seulement que nous sommes actuellement, nous voulons. Secrétaire. Nous invitons à présent le représentant de la Sino Congolaise de Grands Travaux.
Nous invitons la délégation de la 6 communes à passer aussi déposer la gerbe de fleurs. Ils sont prêts. Et je rappelle que nous allons... Que se prépare le cabinet Malaka par délégation. Je t'aimerai bien. Je t'aimerai bien. Que se prépare le cabinet Malaka. Après la société chinoise CNC, suivra la délégation de FBN Bank. FBN Bank. Zéro. Mon désir, celui de ta. FBN Bank. Que se prépare le président. Fondation Godard Motemona. Soyez un peu plus actifs pour nous aider à gagner le temps, s'il vous plaît. Fogomo. Je vais. Akuchu Anamongo. Mon désir, celui de ta vie. La famille Mozo se prépare. L'équipe soignante du défunt. Fanga Toyoloa Mongote. Mozala, la discipline du flat, les trois sœurs. Mbouti Mazal Forever. C'est Mbouti Mazal, merci beaucoup. Merci. Famille Eloro. Après la famille Eloro, il y a Madame Candy. Une petite précision, Madame Candy est locataire du défunt. Madame Candy, il y a la famille Combo. Après la famille Combo, suivra la mutualité Banaï Congo Asa. Banaï Congo Asa, Barolanda Sima. Nous invitons aussi Papa Côté Ngoma a déposé sa gerbe de fleurs. Papa Godé Ngoma. Bande Kotolobaki, 10 personnes par délégation pour tout gagner. Bande Goya Protocole, vous salis. Merci na délégation ya Ikongo Asa. Nous invitons
la grande famille Boyoma Boyoma. Boyoma Boyoma. Tozelipe bandeko ya Boyoma Boyoma. Tolingi koloba na bandeko nyoso oyo bapesaki kombo ete bomilengele. Pose la terre et tes carabins et d'abîmes pour vos soins, chef de fleurs. Pose la rade déjà. En même temps, nous rappelons. Passer pour y marquer quelques phrases. Nous demandons à la police et au protocole de nous aider. Encore une fois, à maintenir de l'ordre autour. Famille m'appelle officiel. Tobengi Sikoyo, Bana quartier Mombele. Quartier Mombele, et que se préparent les enfants. Les enfants Balaka. Après les enfants Balaka, vient le tour frères et sœurs. Bango va réduire délégation à Bango à 4 personnes. Wana tomoni fami mbalaka bana na ye banoko na ye bandeko na ye fami mobimba nyonso tomoni bandeko na ye oyo batikali bango wana. Il y a la famille Okito. Famille Okito. C'est la famille de Maman Kato, la veuve Malaka. Tokosuki sa na Maman Kato. Maman Catherine, la veuve Malaka. Mia Papo Kito. Il y a besoin de des fleurs. Il y a maman Malaka. Où il y a pour rendre les derniers hommages. Na Molonga Ninaye. Donc aux agents des fleurs. Il y a ma coco, il y a Malaka, les petits enfants de maître Malaka. Après la famille Okito vient le tour des petits enfants de maître Malaka. Bakoko. Bakoko Bazawapi. Merci la Bakoko. Je suis là.
Protocole, il y a BCPNC, Casselino, Boticala, Asima. Protocole BCPNC. Le protocole du programme sino-congolais, Boticala, Asima. Awa, Tango, Togosala, levé encore pour nous guérir. La cour d'appel. Nous invitons à présent la veuve Marie. Distinguées autorités en vos titres et qualités cieux, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à maintenant suivre qui est l'audience solennelle qui sera observée au niveau de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Mais nous allons faire le tour de la cour d'appel et du cimetière jusqu'à Kasavubu. Juste après les bains des consolations, il y a la famille restreinte, la famille Mbalaka. Balobahuta na mosali ya Nzambe. Toto sa Nzambe oya kilaki bisonyo. Yo mapeke. Azongisa ye o maboko matata. Bongo ndeko wa biso ayoka esengo elongo na basantu omboka ya nkumu wa bileko. Sambela inzambe yontangolu nde asekyo mokolo mwansuka elongo na bato banso ba weyo boyambi Kristu e mokonzi tokotondo yo botondi mpo ya malamu manso opesa ki ye mosaleli wa yo ntango azalaki na ino awa onse mana manso makolakisa biso bolingi bwa yo. Makola kisampeli sanga to kusangana na banso na Kristu. E nzambe ntangolu, toko senge yo, otande la biso matoyi, odi malosambo la biso, oyamba Musa eliwa yo, Justin Marie Balaka Boliomi ondako ya yo, biso baye totikali na ino awa onse, tole nisamite manamate ya mayo, toko bode la bongo kongo ya Kristu mokonzi wa biso, Obile Gobiso Seko. Tata, Mwana, Nani Mosantu. Solennellement. Tinda, Tokolongola. Maman, la solo papa Nanaki, Kasi, Tango papa Tiki Biso, Moussala Tokolongola, l'opéter, Moussapi Moye. Tokolongola, Mwana, la Tosali, Angona Babsout, Moussikawa, Tokolongola, Moulou Moké. On a besoin de sa maman pour nous voler, pas que ma tiaie y a des balles. Zambé, tata wangolo, pe mon bon diwa bato. Au quartier en passi, au passi, à passi biso boboto. Les lolobi, au bine kobiso seko, à glou moué mouke, d'où sang en zambé. Oyo, à salaki, te bande kobabiso balonga.
misoma église misoma ba Christ pelelo atiangi molongani wa ye tokosenge kopela ye abenisa mama wa biso totikali na ye azala lisusu na likambo moko te pesa ye kimia boboto elongo na libota ya ye mobimba tosambela kasi boso oyebi pasi ezali na ndeko ya biso ela bolongani wa ye tokobondela yo opesa ye bwanya bwa yo ayeba ntina ya bomoi bwa biso ba kristo olendisa ye obatela ye azala mwana etikete opesa ye nguya akanga motema okati ya mpasi ya ye na ntina te azwa esengo olakeli baso bandimi mpasi ya bango nkombo ya Yesu Kristo bona tosengeli kolanda ntango iso yazali na bomoi lelo lobi obileko biso seko ami mpenza bya bokasi boso mobondeli wa bato abatela yo apesa yo kimia kumbu ya tata ya mwana elimo santo tant topesi merci na PCA DG na DGA ya RSP pour la jarre de fleurs tobeni protocole kasi bonso pe wangolu yo poto pesa ki bomoi na ndeko wa biso papa Justin Malimba laka bonisomi sika ubiangi ye tokosenge yo obenisa ibota ya ye mobima elimo wa yo akitisa nguya ya ye ye consolateur ya ba consolateur atia bomoko boyokani okati ya bango batambwisa ba valeur oyo mosali wa yo azalaki na yango mpe ezala mpo ya lokumu na yo mpe mpo ya bolamu ya bango bafana na boboto na bolingo nzambe esika bolingo ezali nzambe azali wana yo me obenisa mpe obatela bango kombo ya tata mpe ya mwana mpe elimo santo cet éloge funèbre. Monsieur le Premier Président, c'est le vendredi 13 août 2021,
que l'intrépide mort venait encore de frapper et de frapper sérieusement à la porte de notre barreau en arrachant brutalement à notre affection notre très cher et honoré confrère Justin-Marie Mbalaka Bolihomi suite à une courte maladie. Récent ces moments comme douleur avec la disparition fréquente et successive des avocats, tantôt de manière brusque et inopinée, tel est le cas de notre confrère Justin-Marie, parfois à la suite des longues et pénibles maladies. Jésus, causa ainsi la famille du barreau. Si je suis un grand droit de M. Mbalaka Bakombo Pierre et de Mme Njoku Ewanga Petronel. Il fut originaire du village de Moeli, secteur de Lactumba, territoire de Bikoro, dans la province de l'Équateur. Il fit ses études primaires au groupe scolaire officiel congrégationniste de Mbandaka de 1960 à 1966, des études qui ont été sanctionnées par le certificat de fin des cycles primaires. Distinction. Il fit doctorant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. De son vivant, notre très cher estimé confrère fut marié à Madame Okitonganji Catherine et il fut père de plusieurs enfants et grand-père de 6 petits-fils et filles. À titre d'expérience professionnelle, massivement les fonctions ci-après. Directeur commercial et financier aux établissements Bontokos de 1976 à 1982. Il fut conseiller de la commune de Limété et secrétaire permanent du conseil de zone de Limété de 1982 à 1900 sous la direction du feu professeur Mbongo Bokako d'heureuse mémoire. Assistant à la faculté de droit de l'Université libre de Kinshasa et aussi à l'Université Bel Campus. Il fut membre du barreau pénal international, conseiller juridique au ministère des infrastructures, travaux publics et reconstruction, jusqu'à son décès. Admis et inscrit à la liste des avocats stagiaires de notre barreau, par décision du Conseil de l'Ordre numéro 94, Maître Justin-Marie prêta son premier serment d'avocat devant votre auguste cour en date du 27 juillet 1914. Après avoir accompli avec succès toutes les formes, Maître Justin-Marie Mbalaka fut inscrit au tableau de l'Ordre des avocats de notre barreau par décision du Conseil de l'Ordre numéro devant votre cour en date du 4 mars 1998. Monsieur le Premier Président, Maître Justin-Marie Mbalaka est mort, vécu dans la discrétion et dans la simplicité. Par cette disparition, le barreau de Kinshasa Gombe vient de perdre encore une fois un de ses grands et brillants avocats. Monsieur le Premier Président, s'il est interdit de par la Bible, certaines de nos traditions, de s'adresser aux morts, mais il y a au moins une autre sagesse qui nous enseigne que les morts ne sont pas morts. C'est ainsi, je me permets en ma qualité de bâtonnier de dire à mon très cher et mon très cher confrère, tu es mort puisque c'est la voie obligée pour tout être humain. Mais de grâce, mon très cher confrère, n'emporte pas avec toi toutes les vertus précitées que tu as incarnées. Bien au contraire, notre barreau, votre barreau que tu as servi avec loyauté et doigté, en a encore grandement besoin. Votre mort
doit être considéré comme cette jachère de solidarité et de confraternité. La mort, monsieur le premier président, tombe dans la vie comme une pierre dans un état, a souligné un notaire nommé Christian Bordin. D'abord, elle éclabousse, il y a l'affolement dans les buissons, battements d'ailes et fuites dans tous sens. Ensuite, grand cercle sur l'eau, de plus en plus large. Enfin, le calme, à nouveau, mais pas du tout le même silence qu'auparavant. Un silence qu'on m'a dit. À Kinshasa. Mais qui est le défunt? Il s'appelait, puisqu'il n'est plus là, il s'appelait Mbalaka Boliomi Justin-Marie. Il était né à Mbandaka le 15 février 1953. Des parents Mbalaka Bakombo Pierre et Nzoku Ewanga Petronel. Il était originaire du village Moeli, secteur Lac Toumba, territoire Bikoro, province de l'Équateur. Il était évidemment de nationalité congolaise. Le président de la Cour d'appel de Monsieur le procureur général de Prince Fekou, ici représenté. Monsieur le bâtonnier du barreau de Kinshasa, mesdames et messieurs les magistrats et chers collègues, mesdames et messieurs les avocats, mesdames et messieurs, en mon titre et qualité de service. Encore une fois de plus, la Cour d'appel de Kinshasa Gombe doit faire ses adieux et rendre hommage à l'un de ses talentueux avocats. Nous avons cité Maître Justin-Marie Mbalaka Boliomi, dont nous déplorons la disparition ce jour. Maître Justin-Marie Mbalaka nous a quittés inopinément. Au moment où les corps judiciaires avaient encore la disparition de l'être humain, mais pas la fin mortelle. C'est plutôt le commencement de l'immortel. Car dans la mort, les souvenirs s'effacent et s'évanouissent, mais tout n'est pas perdu. Étant donné que nos morts continuent de vivre au travers de nous. Certes, la mort est une fatalité, mais qu'il s'est illustré et parle des faits, il restera immortel parmi ses contemporains et son nom sera à jamais gravé en lettres d'or dans l'histoire de notre justice. Cher Maître Justin Marie, tu t'en vas. Tu peux t'en aller avec la satisfaction de l'avoir accompli et très bien accompli. Au nom de toute la grande famille judiciaire, la Cour s'incline pour saluer ton départ et te dire adieu. Maître Justin-Marie, à la famille éplorée, la Cour exprime sa profonde tristesse et sa solidarité dans l'épreuve qu'elle traverse. Elle exhorte de s'attacher à lui pour sa consolation et pour ses besoins plutôt que de se confier aux hommes, car il est le père des orphelins, le défenseur des veuves et le modérateur de cœur brisé et les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Cela étant, au vu de l'évidence du décès de Maître Justin
c'était Marie, Mbalaka Boliomi, et en application de la jurisprudence de la Cour de cassation et sur réquisition du ministère public, la Cour ne pourra qu'en prendre acte et ordonner son inhumation au cimetière choisi par la famille, son serment d'avocat étant les plaintes anéanties par le fait de la mort. C'est pourquoi la Cour, saisissant en audience publique et solennelle à l'occasion du décès de la mort, le ministère public en même prend acte du décès de maître Justin Marie Mbalaka Boliomi, ordonne la levée de son corps et son inhumation avec honneur au cimetière choisi par la famille biologique, mais les frais à charge du trésor public. La Cour d'appel de Kinshasa Gombe a ainsi statué en son audience solennelle et publique de ce 26 août 2021, à laquelle les conseillers et magistrats Moulumba Kamba, président, Zaharu Yanabike et Moulangantumba, conseiller, en présence du ministère public représenté par M. Kalonji Mwamba et avec l'assistance de M. Moutamba Kole, élevé greffier du siège.
Sénégal. Et au nom du président de notre conseil d'administration,
que là, c'est pas ainsi qu'on j'ai de lui. Quand lui disons à lui non, il parle de moi, pour ne pas dire le latin. Alucatus, Justinus, Balaka, Requisca, Taiterni, Pache, Vale, Vale. Ou dans la langue chère à ses aïeux, celle qui gouvernait ses premiers pas et caressa ses rêves d'enfance, comment dit-on qui m'ont Papa Justin, Balaka, Okeneke, Volosi, je vous remercie. Justin Marie Mbalaka. Bandeko, Tambe, Akamateo, Bobo, Touboye, Ase, Kusayo, Mokolo, Mwasuka, Yozali, Mokonzi, Yobileko, Bisso, Seko. Let's go.
Je suis un peu plus de temps.